Oui, bah le grand principe à respecter, c'est la progressivité. D'autant plus qu'on a une préparation qui est assez longue, qui dure 8 semaines. Donc voilà, il faut réhabituer les corps à travailler tous les jours et à jouer au foot tous les jours, ce qu'ils n'ont pas fait pendant plusieurs semaines. On sort de quand même de plusieurs semaines sans pratique de l'activité. Donc on a opté pour une reprise progressive de l'entraînement avec ballon et un travail physique de remise en route. Le gainage, c'est quelque chose qui est pas quelque chose à risque, comme peuvent l'être les sprints ou les courses à haute vitesse qui, elles, doivent être très très progressives, ou les changements de direction, ou les accélérations et décélérations qui, elles, sur lesquelles on est très très vigilant. Ça fait plaisir. Là, on retrouve tout le groupe et ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre le ballon parce que pendant le confinement, ça nous a manqué à tous. Et donc on est tous contents. C'est pas trop dur, premiers exos? Non, ça va, parce que pendant le confinement, c'est le moyen d'occupation, c'était se maintenir en forme. On avait la play, mais après, à partir d'un moment, ça monte à la tête. Donc non, ça va, on faisait nos exercices de nos côtés. Et là, c'est juste un moyen de continuer la routine. Même les gainages? Même les gainages.